110. Beaucoup de camions sur la A11 en direction de Paris. Vitesse 130 km/h. Gardons les bons réflexes. Sortie Éloy les Vignes. Petit demi-tour au rond-point de Éloy-les-Vignes. Pour l'instant, un peu de chance, je n'ai pas été arrêté. J'ai oublié de faire ma déclaration en partant, mon attestation. Ouf! Là, sinon, j'étais 135 euros de prune. Alors là, maintenant, s'il n'y a pas trop de voitures, on va essayer d'aller aux limites de la vitesse de la Zoé G250, c'est-à-dire 140 km/h.
sur une portion qui est limitée à 110. Bon, je sais, c'est pas à faire. Mais pour une fois, on essaye. Favorable parce que la route descend un petit peu. Là, bien sûr, je suis pas en mode économique, hein. Je suis en mode normal. Et là, on va arriver sur la portion qui est limitée à 90. Voilà, ça y est. Donc là, je vais peut-être lâcher un peu l'accélérateur maintenant. Surtout que maintenant, là, on va devoir sortir sur la droite dans à peu près 800 mètres, c'est ça. Marqué. 800 mètres, sortie numéro 15. On quitte l'autoroute A11 pour se diriger vers le centre-ville d'Angers. Mais nous, on va sortir là tout de suite dans 200 mètres. Voilà, ici. Avec une limitation à 50.
Alors, j'étais parti à 54% de batterie. Et là, j'arrive maintenant à 44. Donc, j'ai dépensé 10% de batterie pour à peu près 12 et 12, 24, à peu près 25 km. Et là, on revient vers chez moi. Là, on respecte les limitations. Il y a de très belles couleurs de l'automne. Voilà, ça vient d'arriver. Et là, nous longeons le RER, on va appeler ça. On voit ici un qui passe.